Et notre tour de France nous conduit ce soir à Pau, où François Bayrou joue gros. Le président du Modem, qui pensait s'imposer facilement, est en situation délicate face à la candidate socialiste, Caroline Le Ginter, Gaëlle Andols. Ils sont bien loin, les grands meetings de la présidentielle. Normalement, c'est aux gens de l'office de faire signer un contrat. Aujourd'hui, François Bayrou organise des goûters de campagne dans les cités paloises et ce n'est plus la foule des grands jours. Vous n'allez pas parler tous ensemble. Enfant du pays, le fondateur du Modem se voyait déjà en haut de l'affiche, mais les critiques fusent. Ses adversaires lui reprochent de vouloir se servir de Pau comme d'une vitrine. Les sondages l'annoncent devancé de quelques points par la gauche. J'ai toujours su que cette bataille, elle se mènerait seule contre tous. Pourquoi? Parce que le Parti Socialiste et puis l'UMP et même Nicolas Sarkozy vont tout faire pour que nous ne gagnions pas. On a besoin d'un chapitre nouveau et ça sera une histoire d'amour. Mais celle qui pourrait briser l'histoire d'amour paloise de François Bayrou, c'est elle, la députée socialiste de la première circonscription. Martine Linière-Cassou, bonjour. Déterminée, elle mène sa campagne avec une bonne dose d'ironie. Cette proche de François Hollande affiche ses convictions. Elle arbore l'écharpe rouge pour mieux faire barrage à l'orange du Modem. Plus ça en fait marronner certains, plus on la sort. L'an dernier, c'était la mode de l'écharpe orange. Et j'ai effectivement le sentiment que François Bayrou a la nostalgie de ce temps-là. Quant à Yves Urieta, c'est son écharpe tricolore qu'il pourrait perdre. Le maire sortant est à la traîne dans les enquêtes d'opinion. Pendant la campagne électorale, je prends ma voiture et je conduis. Ex-fabusien, rejeté par la section PS de la ville, il est soutenu par l'UMP et fait campagne contre le cumul des mandats. La ville de Pau doit être gérée par des gens qui ont la passion de la ville, qui ont envie de servir la ville et non pas de se servir de la ville. Et je rajoute que nous sommes la seule ville en France où le maire et les adjoints n'auront aucun cumul de mandats, ce qui n'est pas le cas de mes adversaires. À Pau, une triangulaire semble se profiler à l'horizon, ce qui pourrait mettre François Bayrou en difficulté, lui qui pensait il y a encore quelques mois être couronné dans la cité d'Henri IV.